Bonjour, vous êtes bien sur Musique, pleine vitalité, et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon instrument. Enfin, pardon, c'est pas mon instrument, bref, c'est le piano. Je reprends. Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi. Je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est chouette d'avoir un piano à la maison et pas un synthétiseur. Alors, le piano. Donc, vous savez tous que c'est un piano. Voilà. L'avantage du piano, c'est que ce sont des cordes frappées. Donc, je frappe une corde. C'est une percussion. Donc, ça fait un. Ça peut faire un rythme. Taquet, 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 taquet. Vous voyez? Je vous montre aussi la position de la main sur le piano, comme ça vous voyez. Comme ceci. Voilà. Taquet, 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 taquet. Pourquoi je joue cette note? Parce que ça, c'est le do. Donc voilà, ici, vous avez le do du bas. Deuxième do. Troisième do. Quatrième do. Ça, c'est le do qui est au centre du piano. Vous voyez là au-dessus, il y a la barre pour tenir le support pour tenir la partition et puis la marque du piano. Donc je reprends le do du milieu. C'est le do qu'on positionne, sur lequel on positionne la main droite. Donc normalement, je le mets. On peut positionner ses doigts ainsi, c'est comme ça, donc le pouce sur le dos. On va faire ça. Mais pour le rythme, je garde mon index sur le dos. Et je continue. Do encore ici. Do encore ici. Do encore ici. Et voilà, donc ça c'est un petit exercice. Ici vous avez tout le piano. Vous avez une grande étendue. Donc vous avez ce do, ce do, ce do, qui vont rester traditionnellement joués à la main gauche. Donc vous avez la main gauche qui part. Vous voyez, je suis à peu près au milieu de ce support de partition. Et puis je vais aller vers le bas, comme ceci. Remarquez que la main doit toujours être avoir cette position, cette forme un petit peu de noix, de berceau, voilà. Comme si vous teniez une balle dans la main. Vous pouvez vous entraîner pour avoir ce move, pour avoir bien cette forme-là. Juste posez votre main sur votre genou. Voilà. Et ensuite, posez votre main en gardant la forme sur le piano. Et on s'entraîne à faire les do en descendant. Donc on va commencer. Celui qui est au milieu. On descend. Non, je suis toujours à la main gauche. Deux encore. Et encore un dernier. Donc celui-là, il n'est pas très juste. Ouais, bon. D'accord, donc je reprends à la main droite. Ça me fait combien de doigts à la main droite? Cinquième là. Voilà. Alors pareil pour la main droite. Pour poser la main sur le piano, vous prenez votre genou, posez la main sur le genou. Et
Et puis ensuite, vous posez la main avec la même forme sur. Voilà, c'est important que les doigts aient des ongles qui soient assez courts pour que quand vous posiez vos doigts sur le pied, sur les touches, je vous rappelle que ce sont des notes qui sont frappées, donc il faut sentir le choc. Hein ? Pour sentir le choc, il n'y a rien de pire que de le sentir avec un ongle. C'est pas du tout agréable. Par contre, il faut vraiment le sentir avec la pulpe qui est ici. Parce que c'est là qu'on a la sensation. Donc on peut s'entraîner, toujours sur le dos, hein. On va garder ce dos-là, à faire un dos tout doux, un dos fort et un dos tout doux. Alors, je reprends ma pulsation. Encore. Alors à vous maintenant. Alors dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses. Il y a un exercice qu'on a vu de repérage des notes do, de la note do sur le piano, avec la distribution de la main gauche et puis de la main droite. Il y a aussi le fait de jouer ce do en posant la main avec une forme appropriée qui convient et qui va vous permettre de bien sentir en fait la variation de ce que vous jouez quoi, avec la pulpe du doigt et pas avec l'ongle. Ça c'est vraiment un truc de débutant, mais pour les, par exemple, si vous commencez pas comme ça, ben vous allez rater 90% du plaisir de jouer, donc ça sera vraiment dommage. Donc vraiment éviter les mains comme ça sur le piano, éviter les mains comme ça, éviter les doigts plats, vraiment garder la. Et puis du coup vous devez être droit au-dessus du piano et entre votre bras et puis l'avant-bras, ça va faire à peu près un angle droit. Pour que votre épaule soit bien basse, donc ça c'est vraiment quelque chose à faire attention aussi. Donc voilà, donc vous avez la posture, vous avez le repérage des dos et vous avez aussi le petit moment où je fais la pulsation et où en même temps je joue avec en faisant simplement le geste la première fois et puis la deuxième fois avec des nuances, c'est-à-dire tout doux, fort et tout doux. Donc tous ces exercices-là, vous pouvez les refaire jusqu'à ce que tous ces éléments soient bien intégrés, sans pour l'instant faire d'autres notes. Ça c'est vraiment juste pour se mettre dans une bonne position, dans une bonne posture, pour ne pas avoir mal au dos. Alors, encore une dernière petite chose, justement pour ne pas avoir mal au dos, choisissez une chaise qui vous permet donc d'avoir les genoux un peu plus bas que les hanches, et puis les pieds posés au sol. Voilà, vous deviez pouvoir par la suite ou très vite, même si vous avez envie de vous amuser, toucher les pédales. Il y a trois pédales, bien sûr. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre le bras. Non, c'est pas vrai, ça vous pouvez pas faire. Ah non, 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 ça vous pouvez pas faire non plus. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder peut-être quelques personnes qui jouent au piano et puis voir si regarder leur posture. Regardez, il y en a qui jouent vraiment avec des postures abracadabrantesques. Et je pense que elles ont beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie qui se perd. Mais en tout cas, pour le début, ce qui est important, c'est de sentir le moins de tension dans le corps possible pour que l'énergie soit complètement en harmonie avec la forme que propose le piano. Je vous embrasse et je vous dis une très bonne journée. À très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez
pouvez aussi télécharger un lien vers une vidéo pour écouter des sons un peu spéciaux que j'ai enregistrés quand j'étais en Australie au mois de mars-avril dernier. Est-ce que vous avez déjà entendu la nuit en Australie? Alors écoutez sur ce lien si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Au revoir!